Hop là, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, tout fonctionne aujourd'hui. Planet Zoo, je sais qu'il y en a qui étaient impatients. Alors, programme du jour. On va continuer du coup notre zoo. Ah oui, on en était au panda, c'est vrai. Alors, paf, on reprend, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Arriver tranquillement. Attention, tant qu'on arrive aux eaux, s'il n'y a pas de bouchon, ça devrait aller, mais c'est un peu bouché. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Voilà. Donc aujourd'hui c'est quoi? Ah, il fallait faire les pandas, les pandaros, s'occuper du vivarium et le gros enclos. Ok. Ah oui, on était en train de faire l'enclos des pandas, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? On est mal à la fin. Donc là on a les pandas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça en avait fini. Tac. Pourquoi on avait fait ça déjà? Ah oui, c'était pour parce qu'on voulait rester dans le bois et que le ils peuvent escalader, le bois peut pas escalader. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, on avait pris des pandas déjà. Ok, bon bah ok. Ah tiens, du coup, on va pouvoir voir est-ce qu'ils vont dans les trous ou pas. Salut Lou, ça va? Ok, donc je pense que c'est bon. Alors, Feng. Il veut un abri solide. On va t'en mettre un tout de suite. Alors, boum. J'ai vu que t'étais sur PSO, j'ai sauté sur toi. Ah bah saute doucement, pas me blesser là. Alors, on veut les abris. Afrique, classique, nouveau monde. T'inquiète pas. Ah non, mais voilà, c'est ça. Salut Brady. C'est peut-être un peu trop grand. Ah mais là ils seront cachés dans l'abri. Bon, c'est pas grave. Alors, zone terrestre empruntable. Ah.
Ah bah ouais, vrai, j'avais pas capté. Maintenant, on va bien, écoute. J'espère que toi aussi tu vas bien. Animal affamé. Eh bah ouais, mais il fait quoi l'autre là? Attends. Les deux là. Alors. Ouais. Ah, moi, le multirage, j'ai arrêté. Quand j'ai vu que c'était plus drôle de faire d'autres trucs. Bon, j'espère que ça va aller. Hein. Social. Ah, mais social, c'est bon. Ils sont combien? Attends. Je me rappelle plus de ce que j'ai fait la semaine dernière. Merde. Bandage en deux, alerte quoi. Blessure. Non, mais t'inquiète, ça c'est bon. Alors, il y a une femelle pour 5 mâles. Ah! Mais sachant que si c'est bon, peut-être dégager des mâles en vrai. Sinon. Attends, toi t'es en quoi? Ah, mais attends, là je peux choisir. Toi. Ouais. Ah, bah toi. Tiens, va dans la nature. Toi t'es la femelle, toi tu restes. Ok. Toi. Ah, je peux pas te laisser dans la nature. À vos centres d'échange. Grave, c'est une grosse gourmande. Non mais de base je voulais en mettre plein, mais c'est de ce que j'avais noté, je voulais faire. Si c'est 6, mais s'ils veulent être que 6, par 3 et 3. On en a dégagé 2. Donc 3 mâles, il faut 2 femelles. Alors. On va prendre toi. Voilà, comme ça c'est bon. C'est des cochonnes hein, les pandas quand même. Tout ça pour qu'ils se reproduisent une fois par an. Et encore, si ça marche. Tu m'étonnes qu'elle est gourmande, elle fait qu'une fois par an et pour le faire plus d'une fois, il faut plusieurs mâles. Hein. Alors, tac. Terre, ça va mieux. Il y a trop d'herbes longues, pas assez de terre. Je t'en fous de la terre, moi. Ah mais ça va être sur en dessous là. Je suis en mode carré et je prends des photos avec l'hôtel pour prendre des idées. Ah c'est pas con ça. J'espère que c'est sur le mode carré que tu prends les dés, pas moi, parce que sinon. Laisse tomber. Hein. Vas-y, là. Ah, mais je suis en taille 2.
vous avez pas de couchage, bordel. Je m'appelle Jiffy, c'est des génies. Oh la vache. Et avec moi sur les blagues nulles, ça va être bon public, hein. Moi j'adore ça, les blagues nulles. C'est bon, ça suffit comme ça. Alors, environnement. Ah ouais, ils veulent voir les plantes. Alors, nature. Asie, tempérée, taïga. Ok. Ah, c'est vrai que j'avais zappé. L'autre, il arrête pas de sortir. Il y a de la neige partout là. J'ai même pas commencé mon zoo. Bah, c'est hier. J'ai été noter tout. Un peu tous les DLC qu'il y avait. Histoire de voir les animaux, tout ça. Et j'avoue qu'il y en a qui me plaisent pas mal. Tac. Bon. Voilà, alors. On va commander ici. Ouais, c'est bon. Faudra pas que j'oublie de mettre les couchages là. Pas mettre des ronces, ça non. Tac. Ah, des groseilliers.
Pas mal ça. Comme ça, j'aurais peut-être dû le faire à la fin. C'est un peu la merde pour y aller là. Ok. Hier. Ah ouais, si. Oh, je pense que je vais galérer. J'ai envie de le faire. Ouais, si c'est faisable. Alors. Ok. Ah, peut-être celui-là. Alors, tac. Il fait ses photos, laisse-le un peu tranquille, le pauvre. Ah. Ouais. Ah, ça, j'aime bien ça. Ouais, c'est bon. Elle fait miam miam. C'est comme ça que tu parles aux animaux, toi? Miam On met à l'intérieur aussi.
pour le bâtiment, c'est bon. Elles sont qu'à 43%. Ah oui, les orties. J'aime tout. Ouais, normalement, quand ça correspond à ça, ils aiment bien. J'aimerais faire un coin d'ortie par là. Et un dernier. Par là. Voilà. Ensuite. Ah, mais il y a d'autres tailles. Ah. Ok. Ouais, mais ça va pas avec ce que je veux faire. J'ai pas envie de leur mettre que du bon goût quand même. J'aurais bien aimé mettre un comme ça, mais après ça peut couper par là la vision. Ce qui obligerait à faire le tour. Voilà. Je rajoute les couchages après les amis, hein, vous inquiétez pas. Peut-être leur mettre une plateforme aussi, parce qu'ils peuvent grimper. Ils en ont pas besoin, mais... Je vais retourner en haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'aubépine. Des RL. Oh, ça me tue les bruits qu'ils font. Ah ouais. C'est pas mal ça. Alors ça donne quoi là? Ouais. Alors juste, comment on les voit là? Oh ouais, en vrai là, ici. On s'en fout de ta neige. Là, là on peut voir au bout, ouais. Ok, donc les points de vue pour l'instant sont bons. Et là, ah mais il y en a là. Ah oh, celui-là est pas mal. Ouais, ok. Alors.
Ah ouais, le contenu téléchargeable. Ah là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Il est content. Il n'y a pas assez de terrain, mais ça. À moins que du coup. Attends. Parce que s'il n'y a pas assez de terrain. Ouais, je vais enlever un mal. Hein. Ah, il y en a au centre d'échange. Ce bordel. Change d'animaux. Animaux en attente. Change rapide. Boum. Voilà. Alors, attends. Ensemble de terrain. On n'a pas assez. Voilà, c'est parce que du coup, ils sont trop nombreux. Eh ben... Prends garde. Prends garde. Toi, tu peux partir? Eh ben toi... Tu pars aussi. Comme ça, en termes de terrain, ils ont besoin de moi. Et on est bon. Ok. Et du coup, ils seront que deux. Enfin, quatre. Du coup, environnement, on est bon. Optimisation, on est en chiotasse. Alors, habitat déjà. Non. Il leur faut des couchages. Ah, attends. Alimentaire, filtre, espèce, les pandas. Boum. Alors, manger. Un grand plateau de nourrissage. Boire, grand abreuvoir. Voilà. C'est bon. Boum. Alimentaire. Alors là. Sur votre point de vue déjà. Là, donc. Ici. Les jeux. Arbre pour se gratter. Là. De glace vers l'eau. Voilà. Ok. Alors, tout est bon. Ok, blabla notre enclos de panda. Qui au final est de la bonne taille et pas trop grand pour une fois. Ok, donc maintenant,
Ah, j'ai pas pris mon stylo. Mes stylos, venez là. Boum! Pandaro, ouais, c'est ça. Alors, bon. Encore les hyènes, voilà. Les hyènes qui font que se battre. Habitat. Pandaro, voilà, espèce en danger. Bah, tu m'étonnes, ils sont en danger. Pour ceux qui ne savent pas, hein. Cette bestiole-là, là, qui est le Pandaro et qui est toute mignonne. Quand elle sent en danger, juste elle se met debout pour impressionner. Sauf que, à part impressionner les fleurs, quand ce truc-là se met debout, à part lui faire un câlin, ça donne envie de rien d'autre. Donc tu m'étonnes, sans danger. Alors, combien veulent-ils être? Un mâle et une femelle, donc ils veulent être deux. Donc ils veulent 230 mètres carrés. Ils veulent un petit enclos. 230 mètres carrés. 56 mètres carrés. De... Enfin, il faut anti-escalade. Yeah, les pandarous. Ah, c'est pareil, moi j'en connais une, je vais lui dire j'ai fait des pandas, ouais, comme une ouf. Te mettre, il faut juste sentir ce qu'elle a. Ok. Alors. Donc. Mon idée pour les pandas, ça va être. Ils veulent un petit enclos, je vais pas leur faire un enclos de 2000 mètres carrés, je vais leur faire vraiment un petit truc. Parce qu'on voit commencer à peu près les pandarous, ils ont souvent au sol des trucs où ils peuvent pas aller. J'ai à peu près mon idée de quoi faire pour les pandarous. Alors pour ça, on a besoin d'une allée employée juste qui traverse là. Ça va être irrégulier. Ah ouais, bah attends. Attends! Voilà. Donc. Ils veulent 56 mètres carrés. Alors, attends, habitat. Pandaro. Elle fait voir. Attends. Là. Je vais peut-être le faire moi-même, hein, le truc. Est-ce que je vois à peu près ce que je veux? Non. Alors. On est parti pour la construction. Donc. Est-ce qu'il n'y a pas un... Voilà. On va commencer par ça. Ferme, non, attends, c'est lequel? Le vert. Voilà, comme ça. Avec... Non, merde.
changer ce que c'est. Ah! Ça va être pratique pour faire ce que je veux. Alors. Tac. Oula. Allez. Ouais. OK. Ensuite, j'aimerais une plateforme. Non, pas perchoir. J'aimerais. Non. Ah merde, on était bien. Il va tout falloir refaire. Falloir mettre les bon, c'est pas très bien mis, mais c'est pas grave. Là, il faut. Il n'y a pas entre deux. Ah ouais. Ouais, bon, c'est pas très droit, mais c'est pas grave par rapport à ce que je veux. Hop là. Je concentré pour faire un truc moche. Non mais ouais, ça c'est bien. Tac, on reprend. Ah, ça c'est pas assez grand. Ah, il faut du coup un truc tout petit celui-là.
Ah oui, 1 mètre, 2 mètres, voilà. Ouais, ok. Dans des petits soucis techniques, j'arrive. Ok. Salut Alit, comment vas-tu? Ouais, ça va, ça va. Moi, je commence à tomber un peu malade, mais ça va. On fait ce qu'il faut. Donc là, il monte comme ça. Tac, là. Ok. Bah, je suis avec la maintenance en train d'essayer de régler le problème technique en même temps. Vous inquiétez pas. En gros, ce que j'aimerais, c'est leur faire un espèce de perchoir. En gros, là, hein. Ça va pas être un truc immense, hein. Mais genre là, on va faire un tour. Et en gros, ce que j'aimerais, c'est leur mettre une espèce de cabane en haut. Genre, par exemple, là. On a fait valider. Hein. Ok. Donc, en gros, ça serait. Là. On met ça droit. Alors là, ils peuvent passer sur le côté. Là, là qu'on est une planche comme ça. Voilà. Peut-être un peu plus grand. Pardon. Oh la vache. Comme ça. Comme ça. Ouais.
Et en gros là ça serait leur plateforme de couchage en gros. Je voudrais que j'en ai celui qui est en dessous. Voilà. Je vais essayer un truc. J'espère que mon ingénieur son pourra me dire si ça fonctionne en gros. Ok, donc si je coupe, c'est marrant ça. C'est marrant. En gros, pour vous expliquer, il y a plusieurs lives de ça, je vous ai dit que parfois on m'entendait en écho. Bah apparemment certains d'entre vous m'entendent aussi en écho. Ah, attendez, ouais. Quoi? Ah mais faut qu'ils aillent se nourrir là. Attendez, je vais mettre pause. Alors. J'essaie de régler ce problème vite fait. Alors là, est-ce que c'est bon comme ça? Je vais faire un test. Hein. On m'a entendu en écho gueuler, non? C'est bon? Ah ouais? C'est marrant. Genre quand j'ai gueulé, ça l'a pas fait en écho? Ok. Bon bah. En gros, j'ai juste coché une case. Et fait un test. Et pourquoi c'était décoché? C'est bizarre. Ok, les amis. Bon bah, si le souci est réglé, c'était juste ça. Mais moi, je m'entends toujours écho. C'est marrant ça. Bon, écoutez. Moi, il suffit que. Ah, mais je sais. Enfin, ouais. Bon, je vais juste en gros baisser le son de ça. Comme ça, vous m'entendrez sûrement plus. Ok. Bon, voilà. Ok, bon, on va faire comme ça. Tac. Ok. Alors, on est reparti. Bon.
Du coup. Tac. Boum. J'aurais peut-être dû la mettre après parce que là, c'est la galère. Alors. Et ensuite, là faudrait une grosse plateforme. Voilà. Là. On se remet. Là. Ok. Voilà. Vous en pensez quoi? Encore. Je sais pas ce qu'ils foutent mes soigneurs là, mais alors là.
après. Ok. Avoir une idée. Alors, c'est lequel? Ah, d'être celui-là. Donc ici. Là. Ouais. OK. Là. Attends. Non, mais c'est parce qu'il y en a un de trop. Ah, mais ça fait pas l'arrondi que j'aimerais. Parce que c'est pas droit. Peut-être si je le mets. Non, merde. Là. Non, ça me met la même chose. Ouais, bon, je crois qu'on n'aura pas mieux, hein. Ok, donc c'est juste pour aller voir d'en haut. Ensuite, du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'anti-escalade. Alors, on va regarder. Tac, tac, tac. Clôture.
En gros, à part le béton, béton, les briques. Non, mais sinon. Sinon, je prends le béton, je fais l'enclos, mais je mettrai des murs. Comment ça s'appelle? Je mettrai des murs décoratifs. Alors je fais ça. Ça, là. Du vert. Quatre. Voilà. Ok. L'entrée. Entrée ici. Ok. Alors, combien fait cet enclos? 1000. Oh. J'ai 1000, sérieux. Tu sais, il faut que je mette le mur assez loin. Qui saute. Après, en vrai. Peut vachement le rétrécir. Ok, là on est bon, alors attendez, je vais juste... Voilà, non, clôture, pardon. Entrée de l'habitat. Ici. Une allée.
je modifie ça en vrai. Voilà. Ah mais ça sera juste pas une allée en employée quoi. Sinon c'est bon. Ok. Ma structure, est-ce que je peux j'aimerais faire en sorte que tout ça là, ça soit un bâtiment. Comment on fait? J'aimerais tout décaler en fait. Il y en a qui savent comment on fait. Construction, plan. Les plans. Sélection multiple, ah peut-être ça. Ah voilà, ok. Déplacer la sélection. Ok. Bien. Là, 600 mètres carrés. Est-ce que je peux réduire encore plus? Pas vraiment. Alors, ils ont plus du double de ce qu'ils ont besoin. Tac. Après, tu sais, je veux pas qu'ils sautent et qu'ils s'échappent, quoi. Ok, alors, attends, habitat. Tac. Voilà, un couchage. Tac. Enlève le DLC. Tac. Non, je vais pas faire ça. Je vais gêner. Non. Je modifie. Bref, je suis compris. Non, ce que je vais faire.
Voilà. Je refais ça. Là, je vais dans construction. Mur. Bois. Voilà. Attends. Ça. L'habitat. Ok. Tac. Faut quitter ça à chaque fois. Ah voilà. Voilà. Tac. Ah ça c'est rampe. Ça qu'il me faut. Ok, comme ça ils ont leur petite cabane là. Ils ont leur abri. Ils ont de quoi grimper. Ok. Après de toute façon je mettrai des plantes, des machins, tout ça. Enfin. J'ai même texturé un peu le terrain histoire de leur faire des points d'eau, des machins là. Après, il y aura des plantes, des machins aussi. Ok, donc là on est comment là? 572. Ok. Ok, donc après avec toutes les plantes, tous les machins, ils auront moins de trucs où ils pourront y aller. Donc je pense qu'au final la taille est bien. Eh ben, il reste plus qu'à mettre les petits points d'arrou. Alors, boum.
Ici. Elle est mal. Bon, il va falloir attendre un peu. Ah, je viens de voir un truc. Non, pardon. Excusez-moi. Non, mais j'étais en train de regarder par rapport à mes réglages et j'ai mes filtres qui ont disparu. En gros, il y a la mise à jour d'OBS et c'est depuis la mise à jour que ça a merdé, mais j'ai l'impression que ça m'a enlevé mes paramètres. Faut que je refasse tout. Alors. Ok. Alors. On va s'occuper. Déjà, il n'y a pas assez de terre. On va te mettre de la terre. Hein. Ah, c'est parce que c'est vrai que j'avais fait les délimitations, les machins. Ah, ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'il y a de l'écho, c'est que ça m'a enlevé mes paramètres. Ouais, c'est pas très grave, hein. Il suffit que je le refasse. Ah, vous avez vu, il peut grimper tout là-haut. C'est trop cool ça. Alors, il veut de l'herbe longue. Faut de la roche. Autour ici, tu es là. Voilà. Et ben voilà. Tout est bon. Social, bah oui, social, t'es tout seul. Et on n'a pas de mal sympa, donc on va attendre un peu. Alors, les plantes. Il veut. V'là les plantes, sa race. Ok. Donc je vais m'occuper de mettre les plantes avant de mettre les optimisations. Quoique non en vrai. Parce que des fois ça m'embête un peu. Alors. Nourriture et eau. Donc l'eau, il n'y a pas besoin d'un grand truc. Pour manger. Voilà. Ok. Alors, alimentaire. Là. Pourquoi c'est bizarre comme ça? Ok. Voilà. Jouer. Et ben là, on va leur mettre un ballon. Un en bas. Le petit carillon. J'aimerais bien qu'il soit vers la structure. Le truc d'herbe.
Dans leur tanière. La citrouille. La balle de glace. Voilà. Ok, alors là. Bon, il reste 2 minutes. Ok, nature. Alors, Asie, tempérée, c'est les mêmes que l'autre. Carte de la zoopédie. Ah, c'est juste pour me dire ça. Région Himalaya. Alors. Tac. En fait, non, en fait, t'as rien. Je pense à un truc, mais ça n'a rien à voir. Si, j'ai pas barré les pandas. Si, c'est ça. En fait, j'ai pas barré les pandas. Voilà, c'est... Oh, je suis perdu là, ça y est. Alors, du coup, je vais remettre quoi? Je vais commencer par les buissons en vrai. Ah, regardez dans sa petite truc là. Regardez. T'as vu? Je suis vraiment content de la structure qu'on a fait. Alors. Tac. En vrai, ça va être pas mal feuillu en bas là. Tac. T'as déjà foutu le ballon par terre. Non, pas des ronces. Là. Ah, je trouve que je suis vachement plus appliqué et minutieux qu'au début de l'aventure. Hortensia. Waouh, c'est trop gros ça. Ah, c'est vachement gros ça. Peut-être le mettre là dans le coin du coup. Que souvent les enclos des pandas, c'est très feuillu en bas, il y a quelques arbres et sinon ils passent leur vie sur leur structure, leur machin là. Voilà.
Ok. Je vais en mettre d'autres. Hein. Y a que ces deux-là? Y a pas. Bah ok, on est parti. Alors attends là. Boum. Ok. On s'arrête. CRL. Ils ont un petit balcon. Voilà. Par là. Ok. Un peu par ici. Ah si, voilà les groseilliers. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer à mettre les arbres. Alors, du bambou. Ouais, je vais pas leur en mettre trop. Ok.
Ah, c'est joli ça. Juste en mettre un là. Voilà. Non. Faudrait un petit truc là. Oh, ça c'est gros ça. Et là aussi faudrait. Voilà, 70%. Ok, change d'animaux, ils ont peut-être autre chose. Ok. Voilà. Comme ça, ils seront deux. Et ça sera bon. Un petit pandaro. Voilà. Là, du coup, on a une vue au-dessus. Si on veut les voir. Alors, service. Soit j'ai raté. Va-t'en. Ah, mais ça, c'est pas compris. Asie, parasol de pique-nique. Ok. Bon. Maintenant que j'ai ça. Faire l'aller. Non. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir les voir ici. Tac. Alors, construction. Ah ouais, arche, non, colonne, voilà, c'est ça. Il y a ça. Voilà. Ok. Donc pour aller venir les voir en bas.
service. Bah. Ah merde. Bon. Ah mais c'est vide. Oh putain. Je fais comment pour mettre le truc dedans? Faut par exemple que je fasse ça. Attendez. Alors je fais ça. Je prends ça et voilà dedans. Genre comme ça? Ah ouais. Kedak. Non, je veux pas ça, je veux des chapeaux. Ok. Et là, on prend ça. Ok. Et voilà. Ce que j'ai envie de faire là, c'est une allée comme ça. Une grande allée. Ah! Voilà. Avec truc de distributeur, genre faire un truc un peu. Un truc de l'eau. Okay. C'est où? Ah là. Voilà. Ok. Ensuite, là, on va dans aller.
Voilà. Ok. Voilà. Un petit coin sympa. Ah oui, j'ai pas fait l'éducation. Ah, alors attends. Électricité. Ok. Et ben ouais. Du coup. Ah, j'ai pas mis les trucs. Ouais, en vrai, c'est pas si important que ça. Ah, même si je le fais pas, c'est pas important. Bref, hein. On n'est pas là pour ça, on est là pour faire un zoo d'apprentissage. J'ai envie de dire ça. Et en vrai, regardez. Vachement bien. Donc, les bandarots. C'est fait. Maintenant, il va falloir gérer. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça, on verra plus tard. Alors, on va partir pour notre grand enclos. Des gnous, les springboks, les buffles et les hippotrax. C'est parti. Alors, les buffleurs en premier. Voilà. Un mâle, 14 femelles. Et ben. Buffle. On va lui mettre du coup un mâle. Et femelle 14, non, quand même pas. Mettre 5 femelles. Ce sera pas mal, donc il serait 6 E. 870. Et 70 pour l'eau. Ok. Ensuite, avec les gnous. Alors, alphabétique, c'est ça, les gnous. Boum. Un mâle, 31 femelles. Ok. Mâles territoriaux, hiérarchie entre les femelles dans la harde. Ok. Et eh ben ça va être un mâle. Et il va être 7. Je sais pas si femelles. Il faudrait qu'il soit 7. Et du coup. Pour 7, ils veulent 650 mètres carrés. Donc pour l'instant, il faudrait 1500 mètres carrés. Ok, les hippotrags là veulent être. Ouais, ok, donc mâle alpha dominant. Ok, c'est pareil, donc 1 plus 4, donc il serait 5, 690, et les Springbok
Wow, mâles territoriaux avec un harem de femelles. Un mâle pour 34 femelles. Wow, alors lui. Ah la vache. Putain, lui, il se met bien. Et donc un mâle. Et je peux lui mettre 34 femelles. Je vais lui mettre allez 4, 5, 6, allez 5 femelles. Ferait qu'il serait 6. 700. Ok. Pas besoin de points d'eau. Ok. Donc. Il faut à peu près 3000 de terrain. Ok. Donc. Je vais commencer par terraformer le terrain. En gros, 3000, je pense que ça suffit ça largement. Non, pas aller, terrain. Alors, sculpter. Lisser. Ok. Creuser, on va enlever ça à 4. Là, ça fait une espèce de plaine où ils peuvent monter comme ça. Alors, j'ai noté combien ils voulaient, mais est-ce que il y avait de la profondeur? Attendez, c'était pour les buffles. Oh, requise, non, pas de profondeur requise. Ok. Là, je peux y mettre de l'eau. Voilà. Un point d'eau. J'aimerais leur faire un truc espèce boule. Terrain. Alors. Que j'ai texturé en terre dégueu. Ils en ont pas besoin, mais voilà, ça fait genre, ils ont un coin de boue, ils peuvent aller dedans là. Ok, alors.
fort l'enclos. Donc je vais pas passer tout derrière, hein. Ça va aller dessus. Est-ce que j'aurai la place pour mettre les trucs? Donc l'enclos va partir d'ici. Ok, je vais juste mettre les... En vrai, avant... Les abris... Un peu comme ça. En gros, ce que je vais faire, c'est là. En mettre un abri gigantesque juste là, avec différents couchages comme ça. Voilà, histoire qu'ils aillent tous là-dedans. Même en mettre un plus petit, si jamais. Couchage en feuilles dedans. Voilà, comme ça là, l'enclos il va commencer par là. Ok, clôture. Alors on repart du coup en bois. Alors, je vais mettre l'entrée. Construit 10 km de clôture. Let's go!
si elle enlève bien. Tac. Ok. J'ai enlevé l'entrée. Voilà. Combien fait-il du coup l'enclos? 10 000. Voilà. Putain. Et il est beaucoup trop grand. Si on avait besoin, j'avais du combien? Attendez. Hein. Là. 1004. 3002. On a besoin de 3002. Ok, bon. Bah, voilà. Alors, commençons par mettre nos animaux dedans avant de tout texturer, tout ça. Échange d'animaux. Panda, ça dégage. Du coup, c'est les buffles. Oh bah voilà, on va avoir un super mal. Ok. Deux. Oh, non, une femelle. Deux. Et 5. Ok. Alors. On sent ça arriver de là au plus proche. Hein. Je vais accélérer en x3 histoire qu'ils arrivent tous. 105 ans de parc. Donc là, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Social. Social, c'est parfait. Ok, donc nos buffles, c'est bon. Alors, on va s'occuper terrain. Pas assez d'herbes courtes, pas assez de terre. Ok, alors. Ah, c'est à cause de tout ça que ça va pas. Change texture bien pour eux. Hein. Et comme ça, après qu'on aura nos autres animaux.
Elle voit pas quoi enlever en vrai, enfin. Ah, ça a de tout ce qui est texturé là, c'est ça. Ah ouais, on voit. Quand on a augmenté le terrain, ça a mis de l'herbe longue partout. Ok, la T arrive. Je voulais faire, salut à vous tous. Ah bah les animaux qu'on fait, ils vont entendre. Bon, là, le terrain est pas mal. Ok, il serait peut-être temps de faire venir nos autres animaux. Donc les buffles, c'est bon, je vais dégager les buffles. Ensuite les potrag. Voilà, alors. Combien de femelles on a dit? 4. Pas grand chose d'intéressant. Les gnous. Ah, on peut avoir un mâle sympa. Ok. Ensuite, c'est les springs. Donc, 1. Et les springbox, on a dit 6 femelles. Et ben, c'est parti. 1. 2. 3. Allez. 4. Et 6. On avait dit que 5. Allez, t'en as gagné une en rab. Les gnous. Alors, les gnous, on a mis juste le mâle, je crois. Alors, les femelles. On va attendre. Là, ça va partir bientôt. Tac. Voilà. Alors dans les nouveaux animaux, tiens mes Springboks social 3, pas assez. Les autres ils vont arriver et ça sera bon je pense. Terrain, pas assez d'herbes courtes. Écoute.
Ok. Social. Peut-être qu'il soit essayé de ça, alors va bien. Ok. Toi, t'es quoi, toi? Hypotrague. Population adulte 1. Ok. Megno 2. Alors, ouais, il va être beaucoup les gnous. Vas-y, les gnous, du coup. On va attendre que celle-là parte. Les gnous. Mais c'est le mâle, du coup. Il n'y a qu'une seule femelle. Tu m'étonnes, il en faisait 50. Ouais, bah, on n'a pas. Allez, hein. Donc, du coup, 2. Ouais. 3. C'est bon. Alors, est-ce que ça va être assez? Attendez, je me remets sur les gnous au cas où ils veulent beaucoup plus. Que ça ne soit pas dans le vert. 4. Non, ils seront, doivent être 7. Il en manque 3. Là, je mets en x3 pour qu'ils les amènent plus vite. Ok. Est-ce que 7 ça va suffire? 7 ça suffit. Ouais, je l'ai. Ok, 7 c'est le minimum. Hein. Ok. Service en panne. Bon. Voilà, le mécanicien il va y aller. Merde, non, c'est ce que je voulais faire, je remets en fois 1. Du coup, les gnous, c'est bon. Les Springbok, c'était bon, je crois. Ouais, ça c'est bon aussi. Il va nous rester. Voilà, l'autre qui est dans la boue, l'hypotrague. Voilà. Ah non, c'est pas un hypotrax ça, mais il est où? Ah non, il est là. Population 1, alors lui il est tout seul, il est content. Ok. Vas-y, je suis tout seul, c'est bon. Ok. Tu viens là. Le mâle. Viens là. Ok. Toi ici. Et toi. Et voilà, et ça aussi, on n'a pas besoin de se prendre la tête puisqu'ils aiment. Ok. Alors. Tac, tac, tac. Va falloir aller voir du coup. Terrain. Ouais, le terrain, ils vont tous être bien, je pense. Hein. Les buffs, c'est bon. Les Springboks, c'est bon. Les gnous. Les gnous, ouais, tout le monde est bon pour le terrain. L'environnement. Alors. Afrique, prairie, est-ce que tout c'est pareil? Tous veulent Afrique, prairie, ok. Ils en veulent pas beaucoup, alors on va juste mettre. Voilà. Ça là. Ça là. Ça ici. Un pour l'ombre quand ils viennent boire. Un baobab. Là. Un là. Voilà.
Ah non, c'est j'aime pas. Ah. Ah, c'est ça. Ah, mais oui! Vous enlève Asie. Taïga est tempéré. Ah oui, il me faut juste Afrique et prix. Ah oui, oh là là. Pfff, voilà, je vais faire la bêtise là. Non, c'est bon. Alors. Ok, tous sont. Voilà, plus qu'à mettre les optimisations. Alors. Voilà! C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Ok. Et ben voilà. Notre bel enclos est fait. Gros enclos plein, un vrai enclos. Merde. Oh, je vais pas réussir à parler. Prairie. Ok. Donc là. Allez. Voilà, là il n'y a rien. Ok. Quoi? Eh ben. Voilà. Mécano, il va venir. Animal à faim, ouais, ça c'est aux soignants d'aller les nourrir. Ok. Donc pour terminer, il nous reste notre vivarium. Alors, pour ça, comment je vais le faire de base, j'aurais aimé. Que le vivarium vienne là, mais quand je vois que là c'est un espace vide, je vais me servir de cet espace vide. En gros, regardez. Voilà. Ok. Alors je vais tout texturer parce que là c'est un peu bizarre.
Ok. Bon. Alors, il va falloir faire une allée employée. Voilà, pour mettre service électrique. Est-ce que c'est les vivants, ils ont besoin d'électricité? Je vais mettre une éolienne, ouais. Je change sur le générateur. Non, le générateur est mis plus loin. Ok. Donc, vivarium. Alors. Quoi? Eh ben, qui vient le réparer là? C'est bon. Eh, regardez. On peut pas s'amuser. Paramètres. Bac à sable. Animaux. Bien-être des animaux, oui. Ouais. Ouais. Voilà, désactive ça. Ça, ouais. Il n'y a pas la panne des trucs. Faut enlever là, la panne là. En gros, ça va forcément tomber en panne. On va voir, tant pis. Ok. Bon. J'y reviens. Bon, c'est pas forcément des trucs chinois que je veux mettre, mais. Attends, ils sont vides ou pas? Non. Ok, là. Ok. Voilà. C'est un petit passage où il pleut. Merde. Non, c'est là que je viens de voir que ça a pas pris d'aller là. Voilà. Ok, voilà. Ouais. J'imagine que sans ça, je vais désactiver ça. Voilà. Ok. Alors, il nous faut du coup là, le truc d'échange, c'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin. Mais quoique, je vais. Quand on fera le grand bâtiment des singes là, enfin. Bon, ça fait un peu long. Mais c'est pas très grave en vrai, que ça soit loin. Parce qu'en vrai, là, ça fait un petit passage. Et ici,
honneur à notre grand bâtiment pour les singes. Alors, il n'y aura peut-être pas jusqu'au bout, mais bon, ça fera quoi que. Alors, peut-être qu'on dépassera comme ça. Ok, mais en attendant, vivarium. Alors, ce qu'il nous faut en premier, c'est le monstre de Gila. Alors, tiens. Juste voir un truc. Là, il est hors jeune, machin. On peut en mettre plusieurs du coup. Je pense que c'est ce que je vais faire. Regardez. Non. Là. Mets-toi là. Ici. Avec toi. Voilà. Ensuite, il nous faut Iguane. Ah. Merde, c'est lequel que j'ai déjà? Ah, mais ça, c'est les deux. Animaux. Alors, pour avoir le familier, donc ça va être bon. Peut-être les deux que j'ai besoin. Ouais, j'ai H. Donc faut mettre les deux. Donc il me faut un vivarium en plus. Puisque après, il faut grenouille et machin. Ok, donc j'ai besoin d'un autre vivarium. Voilà. Ok. Donc, vivarium. Iguane, Antille, pour l'instant. Voilà. C'est pareil, du coup, Iguane, ils peuvent être... plusieurs ou pas? Deux. Alors, je crois que je lui mets une femelle. Voilà. L'autre. Iguane vert. Du coup, je vais pas regarder. Non. Là. Ça va être deux aussi. Alors. Non, c'est là. J'avais mis quoi? Un mâle ou une femelle? Peut-être une femelle. Bon, c'est pas très grave. Alors, ensuite, il nous faut la grenouille. Alors. Grenouille, c'est laquelle? La grenouille venimeuse. Et ben, c'est pareil, la grenouille venimeuse. Vénéneuse, venimeuse ou vénéneuse? Vénéneuse, pas venimeuse. Ça va être 6. Oh, bon, on va faire un petit truc rigolo. Tac. Voilà, on va mettre les 4. Voilà. Voilà. Et ensuite, c'est le cocoy. Oui, je sais. Et le coco, ils peuvent être comment? 4 à 7. Il faut que ce soit minimum 4 par contre. Du coup, et ben. Voilà, toi.
toi. Tac. Oui, mais je sais les méditer, je verrai après. Six, c'est vrai que ça soit minimum 4. Ok, alors tac, on va du coup gérer les animaux. Alors animaux, la température, c'est pas assez chaud. Ok, là c'est bon. Température, ah, un peu trop. Ok, c'est bon. Voilà, alors. Et où? Ah, c'est les petites grenouilles qui sont là. Bon, on en a mis pas mal, je crois. Où est-ce qu'elles sont? Ah, là! Attends. Regardez, là, là. Voilà. Ok, à ton tour. Voilà, climat. Ils veulent un truc un peu sec. Alors, t'es où toi? Là, regardez. Juste là. Ok, ça c'est bon. Ensuite là. Les iguanes. Voilà, Pima. Quoi, 30 degrés? Ils veulent 27 degrés. Ok, alors vous êtes où? Là, ah bah là. Peut pas le rater. Là, ils sont ici. Voilà. 26 degrés. 25. 26 degrés, c'est bon. Ok. Et là. Ok. Alors, il veut, je pense, 90 et 28. C'est trop. Ok, alors faites voir. Attendez. Pas ça. Gestion. Ok, alors là, vous voyez, juste là. Ok. Bah voilà. Hein. Ça c'est fait.
maintenant que c'est fait, alors je vais faire une pause pipi, les amis, et j'arrive, d'accord? Tac. Ok les amis, on est de retour. Alors, donc on a fini la grosse partie du zoo. Attendez, merde. Je reviens ici, il nous reste que le bâtiment pour les singes. Alors, on va pas commencer à le construire tout de suite. Par contre, juste. Wow. Ouais, mais il a qu'à venir le réparer là. Juste en gros, là, je vais faire une allée. L'allée, on va la choisir. Ah, ouais, il n'y a pas de ardoise. Chemin pavé. Les ruches. Ouais, dans celle d'en bas. Oh, je veux le carrick. Voilà. Ouais, y a rien qui me fait Si, ouais, peut-être ça, là, les rustiques. On va se faire ça, les rustiques.
Ok, donc en gros là, on va voir l'entrée du bâtiment. Sachant que dans le bâtiment, on a pas mal de choses à faire. Alors, parce qu'il y a les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, les mandrills, les orangs-outans et les macaques japonais à mettre dedans, sachant que les macaques japonais, les visiteurs peuvent y rentrer. Alors, juste, donc, pas vivarium cette fois, c'est habitat, on a vivarium, boum. Alors, les bonobos. Donc promiscuité sexuelle, 7 mâles, 7 femelles. Donc il va falloir un bon nombre. Je pense qu'on va mettre pour les bonobos, je vais le noter. Alors les bonobos, ça sera 4 mâles. 4 femelles, il y aura 8 singes. Ok, 8 singes. Ça a besoin de 1130. Et 290. Ok. Donc, l'idée, pour vous expliquer un peu, donc là, juste en note. Histoire. En gros, l'idée, ça serait de faire un grand bâtiment, un peu comme on peut avoir à. Alors, il y a la ménagerie de Paris, je crois que c'est comme ça, et aux autres Beauval, où en gros, on aurait du coup un. Quoi? Ouais, mais ils viennent pas leur filer à boire aussi, c'est taré, ils bossent pas. Donc, en gros, on va pouvoir. Donc, tout va être fermé. Il faudra mettre de la lumière, vraiment faire un gros gros truc. Et en gros, je vais donner un exemple. On va mettre des trucs, juste histoire que vous compreniez. Par exemple, je vais les bonobos. Ce qu'ils veulent, c'est biome tropical. Voilà. Donc, filtre biome tropical. Voilà, donc on va avoir tac, un truc comme ça. En gros, on va rentrer dans le bâtiment. Là, ça sera fermé. Là, les visites, l'allée, pas visiteur, mais l'allée. Employé va faire pas mal de tours, enfin tout ça. Il y aura une zone employée. Voyez, par exemple, il y en a une ici, donc il y aura l'entrée du bâtiment ici pour les employés. Et on en fera une aussi à l'opposé, histoire qu'ils aient pas tout traversé, tout ça. Ok? Donc l'idée c'est que là, du coup, il y aurait. Je vais le faire tout de suite, l'allée. Employé voilà ici et en gros là du coup on est dans le bâtiment ok et en gros du coup allez. Donc là, l'entrée du bâtiment. Donc on vient comme ça, c'est juste un exemple, hein. Ça restera pas comme ça, juste pour vous expliquer mon idée. Hein. Et on arriverait là, et on se ferait du coup une clôture, parce qu'il faut anti-escalade. Hein. Voilà, comme ça de verre de niveau 3. Alors ça commencerait ici. Et en gros, ça ferait. Une hauteur
Ah, j'étais dessus. Voilà, 20 mètres. Comme ça. Voilà. Bon, en gros, bah là, on rentre dans le bâtiment. Et il y a les singes qui sont là, qui pour se balader ont des structures d'escalade, je leur ferai des gros trucs, tout ça. Et vraiment, du coup, 20 mètres c'est peut-être trop, on mettra peut-être ça un peu plus bas, hein. Peut-être que 15 ça suffit. Et voilà, dans l'idée, c'est ça qu'on va faire. Ok? Et ça, faudra faire ça avec, du coup, tous les singes. Voilà. Donc voilà un peu pour l'explication de ce qu'on fera la semaine prochaine. J'ai pas forcément envie de commencer ça tout de suite, mais voilà, du coup, je pense que ça va bien nous prendre pas mal de rêves. Déjà, faudra faire l'intérieur. Donc s'occuper de faire tous les enclos, de faire l'allée, de s'occuper de faire les zones. Employer tout ça, de faire. Je pense hein, que l'enclos des macaques japonais visiteurs, il sera au milieu. Ouais, le but, c'est que par exemple, enfin, pour vous expliquer, hein, ça vous me direz si vous pensez que c'est une bonne idée, si vous voulez qu'on fasse autrement. Et par exemple, là, si je vais dans Habitat, en zone d'escalade, ouais, non. Tac, on va aller sur les bonobos. Espèce. Allez, bonobos. Et bah, par exemple, on va leur faire. Voilà. Je vais prendre juste ça, par exemple. Hein. Un truc comme ça. Et en fait, là, on aura fait. Dans construction. Mur alors en bois là voilà donc on aura fait voilà un truc comme ça par exemple voilà, je quitte je reprends là. Là, je quitte. Boum. Voilà, on met ça comme ça. Et en gros, là, ça fera tout le haut de la clôture. Ok, alors il y aura de la clôture tout autour. Hein. Et en gros, voilà, s'ils veulent passer, eh bien, il faut passer par là, le petit trou. Enfin, truc comme ça. Voilà. Voilà mon idée, les amis. Et du coup, il faudra que je regarde, que je prenne les notes, mais ça je le ferai hors live. Enfin, hors live, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fait là pour les bonobos, je préparais tous les enclos, donc tout ça. Alors quand je dis préparer, c'est pas faire l'enclos, c'est vraiment voilà, noter tout ce qu'ils ont besoin. Il faudra que je voie la place, que ça va prendre, tout ce qui est possible de faire. Hein. Ok. Voilà, donc après, si vous avez des idées pour le bâtiment des singes, qui est du coup la dernière chose qu'il nous reste à faire dans le zoo, sinon tout le reste est complète. On aura notre beau zoo là. Voilà, donc voilà, les amis. Attendez, j'ai une petite perte de connexion internet. J'espère que pour vous c'est bon. Donc voilà les amis, donc je vais sauvegarder. Parce que je vais pas continuer là. Voilà, ça aurait été un petit live aujourd'hui. Hein. Après j'ai pas mal de taf à faire du coup, vu qu'il faut que je prépare tout ça, faut que je gère mes soucis techniques. Donc c'est parti, je sauvegarde le zoo.
Voilà. Boom. Sauvegarde de votre zoo. Voilà. Je vais mettre en pause. On va se mettre sur la vue. Hop là. Ah tiens, j'ai envie d'aller voir mes pandarous comment ils vont. Alors, allez, ils sont là. On va se mettre en vue visiteur comme ça. Et je vais mettre play. Voilà, vous pourrez voir les pandarous. Je crois que ça fait pas mal de bruit. Non, je vais rester en pause. Voilà, donc les amis, c'est la fin du live. Voilà, merci d'avoir suivi malgré les problèmes techniques, les machins, tout ça. J'ai une petite info à vous donner avant de vous laisser. J'ai mis en place sur la chaîne Twitch les dons. En gros, normalement, si vous allez sur ma chaîne, dans ma bio, où il y a le lien pour le Discord, vous avez un lien donation. En gros, vous pouvez cliquer dessus et faire des dons pour la chaîne. Ces dons serviront uniquement à la chaîne Twitch. Voilà, ce ne sera pas... ah tiens, j'ai pas de sous pour prendre une bouteille de coca. Paf. Allez, tiens, tu peux me donner 2 euros. Non. Ça sera uniquement pour du soutien et pour vous, pouvoir vous proposer plus de contenu. Par exemple, là, vous voulez que je fasse les DLC, pardon, ben tiens, je te donne 1 euro, comme ça, ça peut t'aider à acheter les DLC. Voilà, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment au bon vouloir de chacun, mais voilà, si jamais vous avez envie de me soutenir autre que me follow, mettre des pouces bleus, voilà, vous pouvez. Donc voilà, c'était l'info du jour. Moi, je vous fais des bisous, des checks, des câlins, tout ce que vous voulez. Et je vous dis, du coup, à demain. Bye tout le monde.